Mohamed Sanogo was born in France into a Muslim family. At the age of 15, while studying in Ivory Coast, he gave his life to Jesus Christ. From then on, he felt a burden for lost souls and went on to proclaim the gospel to everyone around him. Pastor Sanogo has led several evangelical Christian organizations in Ivory Coast, and he has traveled through the towns and villages of the West African nation to share the gospel to the unreached people. Continuing to carry out his burden to proclaim the gospel to the lost, Pastor Sanogo serves as the senior pastor of Faces of Honor Evangelical Mission in Abidjan, Ivory Coast. Brothers and sisters, Tabernacle of Glory is honored to introduce Pastor Mohamed Sanogo. Seigneur, nous sommes bénis de nous trouver dans ta présence. Et ce jour, Saint-Esprit, j'aimerais parler de toi. J'aimerais parler de toi qui nous introduit dans le monde spirituel, dans les choses spirituelles. Et nous voulons t'invoquer. Tu es comme un fleuve qui vient du trône de Dieu, qui nous envahit, qui nous remplit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Oh, alléluia. Disons ensemble que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, chaque situation qui trouble mes pensées, alléluia, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dis que tes vives eaux inondent de mon âme. Saint-Esprit, viens et prenne le contrôle. Oh, chaque situation, mes soucis et mes fardeaux, Saint-Esprit, nous les déposons à tes pieds. Apportons à Dieu nos soucis et nos fardeaux. C'est pourquoi disons Jésus, il est notre sauveur. C'est toi qui nous décharge. Oh, Jésus, 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 je me décharge sur toi. Seigneur Jésus, dis avec moi, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit Saint, Saint-Esprit, prends le contrôle. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu conduis toutes choses. Je sais que tu nous remplis de ta présence. Je sais que tu nous conduis, Esprit de Dieu. We need your presence. Living water. Let your living water. I need your living water. Let your Holy Spirit come and take control. I need your control. Take every situation that I strive on my mind. Jesus, Jesus, oh my Savior, Jesus, set me free. I come to you, Jesus, take control of everything. Jesus, I say, Spirit, Holy Spirit, flow in this place, Spirit, flow in this place. Spirit, can we say together, Father, Father, we pray you, Father, who reign in heaven, Father.
my Father, my Father. I need your presence, I need your grace. Father, 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 Father. Thank you, Jesus. All I need is you, my Lord. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Pour nous montrer au Saint-Esprit que nous avons besoin de lui. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Là maintenant pour nous conduire. Car c'est ta parole qui sauve. C'est ce qui vient de toi qui transporte la vie. C'est ce qui vient de toi qui communique les dons. C'est toi qui as transporté Jésus d'un être naturel en un être spirituel, en un être surnaturel. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. En ce monde plein de défis, j'ai fait le choix de te servir. Ô Seigneur, aide-moi à te suivre. Apprends-moi à faire des choix et à prendre des décisions. Ô Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Esprit de Dieu. J'invoque ta présence, j'implore ta grâce, Esprit de Dieu. De toi, Père, de toi, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Braille Sanda Rababradas Glory, car tu tiens toutes choses entre tes mains, mon Dieu. Disons. Alléluia. We feel the presence of the Holy Ghost. The Holy Spirit, we know that you are here. You take control of everything because you hold all things in your hands. Ah, tu tiens toutes choses en tes mains, mon Dieu. Yeah. Rekatabra ide sere mara la kunda rabababababa. Shikata riba bradas glorianda baba baba e lai de wendere mamos lai de wendere babredes glorianda baba shetere de bro lai kanda la baba. Can we pray with me in tongues?
Can we pray with me? Can we worship the Lord in tongues? Can you worship Him in tongues? Pouvons-nous prier le Seigneur en langue? Élevons notre Dieu. Laïkadari mabolaha. Shekadari andabraidas glory andamamama. Lopaya anteride balakoma mamate. Braide santa rababraidas glory andavo. Seigneur, tu tiens tout l'univers, ma vie est dans tes mains, disons-le, tu tiens tout l'univers, ma vie, elle est en tes mains, mon Dieu, mon roi, tu tiens toutes choses. C'est toi qui tiens toujours. Our life is in your hand. This world is in your hand. Everything is in your hand. You can do everything. Rekamala yet my do satarabake. Shabala yamot my debrina loca pre. Tout l'univers et nos vies, nos pensées, nos idées, tout notre être est dans. Pouvons-nous acclamer sa majesté? Can we put our hands together to celebrate the name of Jesus, to celebrate the presence of the Holy Spirit? Ah, oh 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 yeah. Hallelujah. I'm on my God, my Lord. Acclamons roi des rois, nous te célébrons, nous bénissons ton nom. Quelqu'un acclame Jésus. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Je sais que tu es là, je sais que tu prends le contrôle de toutes choses. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut encore pousser des cris de joie en l'honneur du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. God bless you. Hallelujah. Amen. Amen. I'm so happy to be with you this day. And it's a pleasure for me to share this wonderful time with you. Amen. Malgré la distance, malgré les circonstances, rien n'empêche la parole de Dieu de parcourir les nations et d'être une source de bénédiction. Amen. Que ce moment que nous allons avoir et que cette grande conférence internationale soit l'opportunité, l'occasion pour notre Dieu de déverser en nous davantage de grâce, davantage de faveur. Alors vous avez ma salutation et la salutation donc de toutes les églises Vase d'honneur et du ministère Message de vie. Je suis vraiment content d'être avec vous en ligne et je veux bénir Dieu. Je me même vous inviter à vous tenir debout pour qu'on puisse célébrer vraiment le porteur de cette vision. Lorsqu'on voit cette conférence, tout ce qui est mis en place, d'abord lorsqu'on arrive à se retrouver en présentiel, c'était wonderful, amen. Et là en ligne, avec tout ce que j'ai déjà vu, je dis waouh, c'est extraordinaire. J'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour ce don à l'église de Jésus, ce don au cœur de Christ, le pasteur Grégory Toussaint. Vous pouvez m'aider à célébrer et à honorer Dieu pour cet homme de Dieu qui est pour moi un ami, un frère, un homme avec qui je partage vraiment des convictions, un homme qui aime Jésus et je vous assure, je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment, alléluia. J'ai été connecté avec lui par le pasteur Yvan Castanou et vraiment, nous sommes devenus liés, pasteur Grégory, pasteur Yvan, pasteur Marcelo. Et vraiment, nous faisons par la grâce de Dieu beaucoup de choses ensemble et je veux rendre grâce à Dieu. Je veux qu'on puisse acclamer le Seigneur pour cette extraordinaire femme qui est avec lui, pasteur Patricia. Quelle femme, elle dégage une telle douceur, un tel amour. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Marcher dans le surnaturel. Quel merveilleux thème. Lorsqu'un pasteur reçoit un thème,
c'est parce que Dieu souhaite amener chacun d'entre vous et vous tous qui êtes connectés à cette conférence, Dieu vous amène à évoluer dans une dimension surnaturelle. Et je vous assure, aujourd'hui, on en a besoin là où les solutions naturelles, humaines, n'en peuvent plus, sont limitées, des maladies, des drames pour lesquels la science, les connaissances actuelles ne peuvent rien faire. Mais Jésus-Christ est capable de faire tout ce qui avait été déclaré comme mal, comme maladie, comme problème insolvable. Jésus les a traités par sa vie surnaturelle. Alléluia, marcher dans le surnaturel. Alors pour ce vaste thème, je parlerai avec vous particulièrement donc des dons spirituels. Amen. Je vais aborder 8 points de sagesse. Quelqu'un est avec moi, 8 points de sagesse pour marcher efficacement dans les dons surnaturels ou encore dans les dons spirituels. 8 points de sagesse. Avant de parler de ces 8 points, parlons un peu donc de l'importance de ces dons spirituels. Amen. Alors, la Bible dit que Jésus-Christ, on le sait, Jésus a vécu dans le surnaturel, donnant une révélation importante à un disciple qui va devenir son disciple, en lui révélant où il était. Il va dire, waouh, il connaît même mon nom, il sait d'où je suis. Jésus lui va lui dire ceci, tu verras désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, tu verras le surnaturel être manifesté dorénavant sur la terre. Et Jésus-Christ t'a dit, il m'a dit que nous allons faire les œuvres qu'il a faites et nous en ferons même de plus grandes. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est donc important pour toi de marcher dans ce surnaturel. Alors ce Jésus qui a changé l'eau en vin, c'était miracle. Ce Jésus qui a marché sur les eaux, c'était miracle. Ce Jésus qui a ressuscité les morts, ce sont des miracles. Ce Jésus qui a fait marcher les paralytiques, qui a guéri des malades, ce sont des dons de guérison. Ce Jésus qui révélait des choses cachées, ce sont des paroles de connaissance. Ce Jésus qui avait une sagesse hors du commun, qui pouvait décanter et résoudre le problème de cette femme que tous voulaient lapider avec une sagesse déconcertante. Il a mis la confusion dans le camp des adversaires. Cette sagesse-là, c'était des manifestations, des dons surnaturels sur la vie de Jésus. Mais les dons surnaturels ne se sont pas manifestés à la naissance de Jésus. Ils sont venus dans le cours de sa vie, après qu'un événement spécial se soit produit. Parce que Jésus-Christ étant Dieu, la Bible dit qu'il a été dépouillé, qu'il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, qui le rendait égal au Père. Il l'a laissé, Jésus a laissé sa divinité et il est venu sur la terre comme un homme comme nous, un homme naturel. De l'âge de 0 ans jusqu'à 30 ans, au moment où il va au baptême de Jean, Jésus était totalement naturel. Il ne faisait pas de miracles, pas parce qu'il ne le souhaitait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Il ne guérissait pas les malades, parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il était simplement un homme naturel. Une chose extraordinaire va se produire. Aux environs à l'âge de 30 ans, allant au baptême de Jean-Baptiste, la Bible dit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit va venir sur lui sous la forme d'une colombe. Allant en Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14, la Bible dit Jésus revêtu. Et au verset 18 de Luc chapitre 4, la Bible dit, Jésus donne cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, etc. Pour sortir du prison des cachots et pour sortir les prisonniers des cachots, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus, après que l'Esprit du Saint, le Saint-Esprit soit venu sur lui, va entrer dans une nouvelle dimension, dans la dimension surnaturelle. Alors dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de marcher dans le surnaturel pour un chrétien comme moi, il s'agit de laisser le Saint-Esprit qui vient du ciel opérer régulièrement dans ta vie. Alléluia. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur est venu sur Jésus, le surnaturel qui a été manifesté dans la vie de Jésus peut être identifié à chacun des dons dons spirituels tels que la Bible les décrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. On voit le miracle, on voit la sagesse, on voit tout ce dont je t'ai parlé tantôt. Le surnaturel se manifestait dans la vie de Jésus par des dons, c'est-à-dire par des capacités surnaturelles que Dieu avait données à Jésus. Et la Bible nous dit une chose intéressante dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. La Bible dit, l'apôtre Paul par l'Esprit de Dieu dit ceci, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et il est question des dons spirituels. La Bible nous dit que à chacun d'entre nous, Dieu donne des dons spirituels. À chacun d'entre nous.
Donc là où tu me suis, tu as reçu un don spirituel. Il y a un don en toi. Amen. Et ce don arrive dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus. C'est ta conversion qui t'initie au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans ta vie et la Bible dit que lorsqu'il vient, il t'accorde un des dons spirituels qui est décrit dans ce passage que nous citerons tantôt. Ces dons spirituels-là sont extrêmement importants. Ces dons que Dieu te donne, ces capacités hors du commun sont extrêmement importants pour ta vie. La Bible dit que le Saint-Esprit distribue à chacun comme il le veut, amen, différents types de dons spirituels. Et ces dons-là sont importants. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 16, la Bible dit ceci, que le don d'un homme lui élargit des voies, lui fait des places et lui donne accès auprès des grands. Autrement dit, c'est la manifestation des dons, dons naturels comme surnaturels. Mais pour nous qui avons des surnaturels, les dons nous aident à vivre certaines dimensions. Donc, c'est parce que tu as des capacités hors du commun que tu es élevé. C'est à cause d'un don d'interprétation des songes qu'on peut classer dans les dons de sagesse que Joseph s'est retrouvé en train de régner, il est rentré dans sa destinée. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans la dimension que Dieu a prévue pour eux parce qu'ils ne manifestent pas les dons que Dieu leur a donnés. Ils ne manifestent pas les dons que Dieu leur a donnés. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 17, la Bible dit ceci, que nous régnons dans ce monde, alléluia, par le don de la grâce, par la grâce de Dieu, par l'abondance, pardon, Romains 5, 17, par l'abondance de la grâce et par le don de la justice. Dis avec moi, abondance de la grâce. Dis encore avec moi, abondance de la grâce. Alléluia. Amen. Alors, le mot qui est utilisé pour grâce, qu'on utilise quand on dit « Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, accorde-moi tes grâces, etc. » Le mot utilisé pour grâce, c'est pratiquement le même mot utilisé pour don spirituel. Donc, quand Dieu dit « Nous allons régner dans ce monde par l'abondance de la grâce », il ne s'agit pas simplement de faveurs imméritées, il s'agit aussi par l'abondance des dons spirituels. C'est les dons spirituels de David. C'est parce qu'il avait des dons de foi, un don de foi par lequel il a terrassé Goliath. Un don de miracle. C'est par les dons de sagesse, d'interprétation des songes que Daniel s'est mis à régner. L'Église, en méprisant les dons spirituels, en les ignorant, l'apôtre Paul commence 1 Corinthiens chapitre 12, dit, pour ce qui est des dons spirituels, vous ne devez pas être ignorants. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chrétiens, lorsqu'on voit les croyants, et dans le monde pentecôtiste, pratiquement deux dons sont mis en exergue, le don de parler en langue et le don de prophétie. Pourtant, il y a une pléthore de dons que l'Esprit donne. Et ces dons-là sont ignorés, sont méprisés, rendant l'Église handicapée, laissant des malades dans notre sein. On ne domine pas sur des maladies. Il y a des maladies dont la solution viendra uniquement par le surnaturel du don de guérison. Par le surnaturel des dons de miracles, tu dois manifester les dons spirituels que Dieu a déposés en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Reçois pleinement et vis ces différents dons. Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit ceci. N'éteignez pas l'esprit, 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. N'éteignez pas l'esprit. Vous savez, frère, on éteint l'esprit en méprisant les dons. Mépriser, ça veut dire négliger. Mépriser, ça veut dire ne pas considérer. Mépriser, ça veut dire, bon, Dieu a donné à chacun, il t'a donné un don de miracle, mais les miracles, c'est ça, tu ne l'utilises pas. Mépriser, tu as un don de prophétie, tu ne l'utilises pas. La prophétie est une parole puissante. Est-ce que tu sais que Dieu fait toutes choses par sa parole? Il y a des prophéties qu'on appelle par exemple les prophètes Nabi. Ce sont des choses que je ne pourrais pas développer. Des prophètes Nabi. Un prophète Nabi, il dit, comme Élisée a pu le dire, il dit demain à 7 heures, il y aura à manger en abondance. Quand il déclare, ça crée quelque chose dans l'atmosphère. Le Nabi est un type de prophète dans la dimension nabique. Nabi comme Nabi sont les noms hébreux attribués aux prophètes pour parler des différentes formes de prophétie. Il y a ce qu'on appelle par exemple un prophète Shalam, des prophètes Massa. C'est différents types de termes qui sont utilisés dans l'Ancien Testament pour décrire les prophètes. Entre dans les dons de l'esprit. Ne les méprisez pas. Amen.
Alléluia. Le but de mon message, c'est d'amener à considérer et à ranimer le don que Dieu a déposé en toi. L'homme de Dieu appelé Timothée avait des difficultés à exercer pleinement son ministère. Pourquoi? Parce que le don de Dieu s'était éteint dans sa vie. L'apôtre Paul lui dit en 2 Timothée chapitre 1 verset 6, « Ranime le don que tu as reçu. » Cher ami, quand Dieu dit « Nous allons régner par l'abondance de la grâce », il y a les dons à l'intérieur. Si tu n'as pas les dons, si tu ne manifestes pas les dons, tu seras handicapé. Quand on appelle la grâce, lorsque tu pries pour dire « Seigneur, guéris mon fils », Dieu peut faire une faveur imméritée. Alléluia. Ou on te trouve les moyens et puis ton enfant est guéri. Mais la réponse de Dieu à la maladie de ton frère, de ton enfant, de ton parent, ça peut être la grâce. Mais quelle grâce? La grâce des dons spirituels. Et Dieu va te donner un don de miracle, Dieu va te donner un don de guérison. Chez moi à la maison, j'ai vu mes enfants, ma femme, les gens dans la maison être guéris. Les filles qui travaillent à la maison, les gens qui travaillent à la maison être guéris. Là où la science ne pouvait pas. Alléluia. Les dons sont extrêmement importants. Rejeter les dons, c'est rejeter le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu se manifeste par des dons spirituels. Amen. Alors, citons rapidement quelques dons spirituels avant de entrer maintenant sur ces 8 points de sagesse pour les avoir. Tu vois qu'ils sont indispensables. Tu dois absolument les avoir. Alléluia. Et les manifester et ne pas t'en détourner. À cause des faux prophètes, à cause des faux docteurs, à cause des gens qui manifestent bizarrement les dons, plusieurs en sont venus à mépriser le don et à éteindre l'esprit. Ceux qui ont méprisé les paroles en langue ont perdu l'esprit même dans leur communauté. Ceux qui ont méprisé certains dons de guérison, ils ont dit ça c'est de l'imitation. Quand tu méprises, ils ont éteint le don de miracle dans leur vie. Que cela ne soit pas ton partage. C'est sûr, il y a des faux dons, mais il y a de vrais dons. N'éteins pas l'esprit en méprisant les dons. 1 Corinthiens chapitre 12 nous présente plusieurs types de dons. Alléluia. Il dit au verset 4 déjà, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Il y a donc les dons, il y a les ministères. Je te dirai quelque chose par la suite. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et il est dit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. Il y a un don qu'on appelle la parole de sagesse. Alléluia. Quand tu as ce don surnaturel, tu as une sagesse qui est surnaturel. Tu comprends des choses que la nature ne peut pas comprendre, que les hommes naturels ne peuvent pas comprendre. Ça aussi, c'est un don de Dieu qui est dans ta vie. Que Dieu le ranime et qu'il se manifeste pleinement au nom de Jésus. À un autre, il est donné la parole de connaissance. Certaines fois, il y a des blocages autour de vous et l'Esprit vient vous révéler ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé il y a des années auparavant. Savoir des informations cachées dans le passé, c'est un don de parole de connaissance. Sans, à cause du manque de ce don, beaucoup de gens sont tombés dans des difficultés, dans des problèmes, parce que Dieu avait voulu les informer de manière surnaturelle de certaines choses qui s'étaient produites, mais ils ont méprisé le don. Un autre, la foi. Le don de foi est celui-là par lequel on est capable de déplacer des montagnes. C'est celui qui t'amène par un courage inouï à te lever face à des adversités et à déclarer que la victoire sera prise. Ce don-là, n'étant pas là, a amené des personnes à mourir devant des géants qui se sont levés contre eux, à s'éteindre, à faire fermer leur structure parce qu'ils n'ont pas su parler la parole de la foi face aux circonstances. Que le don de foi soit ton partage et que ceux dans qui il s'est éteint, que cela soit ranimé au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Un autre, le don des guérisons. Ce sont des dons que, dans la suite de mon message, je dirai quelques éléments là-dessus. Un autre, le don d'opérer des miracles. Oui, c'est un don impressionnant, le don d'opérer des miracles. C'est par lui, l'eau est transformée en vin. J'ai un fils spirituel qui a reçu ce don de la part de Dieu. Il avait des difficultés, il ne travaillait pas. Il a prié sur son gaz et le gaz n'est plus fini jusqu'à ce qu'il trouve du travail. Il a prié sur son réservoir de carburant et le carburant n'a plus dit, le carburant a atteint un niveau et le carburant a été maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne du travail pour remplir le carburant. Dieu répond à vos besoins aussi par des dons spirituels. Si vous ne les utilisez pas, vous allez être très handicapé et vous allez être très handicapé dans ce monde. Donc, à un autre, le don d'opérer des miracles, le don de la prophétie, c'est un des meilleurs dons. En fait, même Dieu nous recommande de l'avoir juste après la parole en langue. Dieu demande de rechercher d'abord le don de la prophétie. Et dans la suite, je dirai un mot là-dessus. Amen. À un autre, le discernement des esprits. C'est un don qui va vous permettre d'éviter de tomber dans des pièges.
même avec de bonnes personnes. Quelquefois, ils ne sont pas animés du bon esprit. Pierre en train de parler avec Jésus. Jésus dit, ça c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus a discerné que cela venait du Père. Et quelques minutes après, toujours en Matthieu 16, l'apôtre Pierre dit, oh, je te donne un bon conseil, ne va pas à la croix. Ne dis pas ces choses. Jésus se retourne et dit, arrière de moi Satan. Parce que tes pensées sont des pensées humaines. Par ce don, plusieurs auraient évité de faux mariages, de fausses alliances, de fausses connexions. Par simplement le don de discernement des esprits. Que Dieu le ranime en toi ou qu'il te l'accorde aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'interprétation de langue, etc. Il y a diversité de dons. Alléluia. Et après les dons spirituels, tu as vu 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 nous dit diversité de dons, mais le même esprit. Les dons sont distribués par le Saint-Esprit à chacun selon son bon vouloir. Vous ne le voulez pas, ça ne dépend pas de vous. Il vient et puis il donne. Le don ne vous qualifie pas, ne qualifie pas votre degré de spiritualité. Il donne un don à un âne, à un vieux prophète qui avait arrêté de prophétiser. Il lui donne, pendant après son mensonge, il lui donne une prophétie pour la vraie prophétie maintenant au jeune prophète. Les dons sont distribués par le Saint-Esprit par rapport à ses plans stratégiques. La Bible dit, il les donne à qui il veut, comme il veut. Mais il y a un autre niveau de don spirituel que nous trouvons en 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28 et dans le livre d'Éphésiens, qu'on appelle maintenant le niveau du ministère. Et la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même Saint-Esprit. Et puis il dit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ici, il s'agit d'un aspect qui n'est pas géré exclusivement par le Saint-Esprit, mais qui est aussi géré par la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, au-dessus de tous les cieux, il a amené les uns, amen, comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, etc. Là, ce sont des dons spirituels, mais ce n'est pas une capacité ponctuelle. C'est toute ta nature qui rentre dans le prophétique. Quand tu as le don par le Saint-Esprit, tu prophétises de temps à autre. Mais quand tu bascules, toi-même tu deviens ce qu'on appelle un prophète Nabi, un prophète Nébi, un prophète Shalam, c'est-à-dire tout le temps, Dieu le fait avec toi. Il y a une connexion qui est tout le temps manifestée dans ta vie. Que cela soit un partage au nom de Jésus. Dans les 8 points que je vais développer tantôt, 5 d'entre eux sont relatifs juste aux dons. Et puis, les autres d'après sont des éléments qui te permettent de basculer dans le niveau ministère. Mais comme je dis, le temps ne peut me permettre de développer cela en long et en large. Je toucherai juste quelques points. Il y a encore beaucoup plus de choses à connaître. Alléluia. Mais c'est par la Seigneurie de Jésus. Ça, pour rentrer dans le ministère, il faut réellement être converti. Amen. Il faut vraiment donner. Mais le don, on peut même mettre un païen. Amen. Dieu peut t'utiliser ponctuellement. Et puis, tu dois basculer dans le volet ministère. Amen. Et il y a toutes sortes de dons ministériels. Tu les vois en 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28. Il est dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Tu vois, il a établi. Dieu établit les prophètes, les docteurs. Et puis, il continue avec ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Oui, il y a un don de secourir. C'est-à-dire, Dieu se saisit de toi et il fait que tu aies la solution à ceux qui ont besoin d'un secours. Que ce don-là soit révélé. Hein, ne vous limitez pas pour dire, il y a 9 dons. Non, la Bible parle ici de don de secourir. Ça peut être un don, le Seigneur t'appelle. À cause de toi, si ce don n'est pas manifesté, des personnes vont mourir dans leur détresse, dans leur angoisse. Mais la solution à leurs besoins, c'est le don que Dieu a mis en toi, le don de secourir. Qu'il soit ton partage au nom de Jésus. Il dit encore, le don de secourir, le don de gouverner. Certaines personnes comme Joseph reçoivent le don de manager. Ce sont de grands managers, de grands leaders. Et leur leadership n'est pas naturel. Leur leadership relève du spirituel, du surnaturel. Et ça encore, c'est un don de Dieu. C'est ce type de don-là qu'avait David, qu'avait Salomon, qu'avait Joseph. Il a pu, par la bonne gouvernance et par le bon leadership, vaincre la famine. Et cette famine qui est en train de frapper l'humanité, par une bonne sagesse de gestion, un don de gouvernement, on peut résorber des crises, faire arrêter la misère et la pauvreté dans un endroit. Reçois ce don-là au nom de Jésus-Christ et le don de parler diverses langues. Bref, il y a un ensemble de dons surnaturels. Je prophétise dans le nom de Jésus que tu entres. Alors avant de citer ces 8 éléments, tu vois, je vais aller rapidement là-dessus, ces 8 éléments, c'était important de poser ces bases pour que vous aspiriez aux dons. Alléluia, pour que vous aspiriez aux dons. Tu dois aspirer aux dons, à tous les dons spirituels. Amen.
Alors, donc je t'expliquais les dons, je t'expliquais ce que c'est que le ministère. Le ministère, c'est quand Jésus t'appelle. C'est quand Jésus t'établit. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. Amen. C'est très important. Et puis après, il dit, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Faisant référence ici à Dieu, c'est le Père. Donc on voit ici présenté la Trinité, le Saint-Esprit, le Fils et puis le Père. Mais il faut savoir ici, bon, j'ai toute une série d'enseignements sur les dons. Le Seigneur dont il est parlé, s'il n'est pas parlé du Fils, il est parlé du Seigneur. C'est-à-dire, pour rentrer dans le ministère, c'est vrai, tu as une relation avec Jésus, mais Jésus en tant que Seigneur. Alléluia. Amen. Dans un passage de Luc, quelque part, il est dit, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu vas marcher devant la face du Seigneur. Tu seras appelé prophète. On va t'appeler prophète parce que, conjonction de coordination, car tu marches devant la face du Seigneur. Quelqu'un donne un bon amen. Et puis, il parle de diversité d'opérations. Les opérations dépendent du Père. Il y a plusieurs niveaux d'opérations. Dans le monde prophétique, il y a plusieurs niveaux d'opérations. Il y a ce que j'appelle les opérations, les levels d'opérations, les niveaux. Quand vous lisez par exemple Jean vient et puis il dit, le Père m'a dit, il a élevé mon esprit. Donc tu vois que Jean voit, et puis c'est comme s'il a une hauteur spirituelle. Et vous allez voir plusieurs fois, dans les prophètes, ils disent, l'Esprit m'a saisi, il m'a amené ici, il m'a amené par là, il a fait ceci, il a fait cela, des mouvements de l'Esprit. Ça s'appelle l'opération. Alléluia. Il y a diversité d'opérations. Et puis, il monte à un niveau et il voit les sept églises d'Asie pour lesquelles il donne des prophéties. Et Apocalypse, chapitre 4, à un moment donné, l'Esprit lui a dit encore, monte. Il est monté à un autre niveau. L'apôtre Paul décrit cela quelque part. Dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit, je connais un homme qui a été enlevé, je ne sais si c'est dans son esprit ou dans son corps, mais qui a été enlevé au-dessus du troisième ciel. Et là, il dit, il a entendu des paroles qu'on ne peut pas entendre. Alors, dans le ministère de la prophétie, il arrive des fois que Dieu vous fait opérer au niveau terrestre. Il arrive des fois qu'il vous fait opérer au niveau du ciel. Et d'autres fois qu'il va vous faire opérer au niveau du troisième ciel. Quand vous arrivez au niveau du troisième ciel, vous sortez du temps. Vous êtes capable, vous sortez du temps. Vous avez des révélations prophétiques qui... Vous savez, Dieu a créé le temps, ok? Pour comprendre ça. Le temps, on est tous soumis au temps, mais Dieu n'est pas soumis au temps. Le temps a été lancé par Dieu lorsqu'il a dit « Que la lumière soit, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Donc avant ça, il n'y avait pas eu de premier jour. Donc le chronogramme, le chronos, a commencé à être comptabilisé à la création de la terre. Alors si Dieu fabrique, si je fabrique une Bible, si je fabrique un téléphone, je ne peux pas être dans le téléphone. Quand Dieu crée le temps dans lequel nous évoluons, il est lui-même en dehors du temps. Le Père peut vous amener d'opérer à ce niveau. Alléluia. Même le Fils Jésus, quand il était sur la terre, n'opérait pas toujours à ce niveau. C'est le Père seul qui décide. C'est à ce niveau que le Père sait. Quand viendra la date de la fin? Et Paul est arrivé une fois à ce niveau, il dit, quand vous arrivez là-bas, c'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas comprendre l'Apocalypse, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que c'est quelque chose qui relève du troisième ciel. Dieu dit à Jean, il dit, monte ici, pendant qu'il était déjà monté une fois. Il ne peut pas s'arrêter au deuxième ciel parce que le deuxième ciel, c'est le ciel des démons. C'est le ciel des œuvres occultes. Et puis il y a le troisième, il y en a même qui disent qu'il y en a sept. Parce que parlant de Jésus dans le livre d'Éphésiens, il est dit, étant monté au-dessus de tous les cieux, Jésus a emmené avec lui des captifs. Il est monté au-dessus de tous les cieux. Donc il y a plusieurs ciels. Il y a de nombreux cieux et Jésus est arrivé au-dessus. Donc tous les ministères sont établis au-dessus de tous les cieux. Amen. Tu es prophète sur la terre et j'ai une image pour illustrer cela. C'est vraiment impressionnant. Amen. Où le ministre, en fait, le ministre, c'est quelqu'un qui ouvre une connexion prophétique. Si tu as le don de prophétie, si tu as le ministère prophétique, il y a une connexion qui est constamment ouverte entre le ciel et toi. À tout moment, tu vois ce que tu vas faire, ce que Dieu s'apprête à faire. Je prophétise dans le nom de Jésus que plusieurs entrent dans cette dimension. Mais c'est une dimension progressive, c'est une dimension évolutive. Dans tous les dons, on peut arriver à ce que le don de guérison ne soit plus ponctuel, mais qu'il soit continu.
qu'il passe au niveau ministère. Maintenant, le Père va décider dans quel domaine tu vas opérer. Mais je prie afin que tu opères dans beaucoup plus de domaines. Alléluia. Alors, amen. Alors, voyons, visitons rapidement les 8 points de sagesse pour marcher efficacement dans les dons surnaturels. Je vais les citer. Alléluia. Même si je n'arriverai pas à tous les développer, je vais les citer. La première des points de sagesse, c'est être un homme spirituel, c'est soit quelqu'un de spirituel et non une personne charnelle. Je vais le développer tout à l'heure. La deuxième des choses, si tu veux marcher dans le surnaturel, il faut être spirituel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que tu recherches ardemment le Saint-Esprit, la plénitude. Tu dois toujours rechercher être rempli du Saint-Esprit. La troisième des choses qui est très, très, très importante, sans laquelle tu tombes, tu vas n'importe où, c'est rechercher l'amour. L'amour, c'est indispensable, la charité. La quatrième, c'est tu ne dois pas mépriser les dons. Là, c'est vraiment un piège. Il faut faire très attention. Tu peux bloquer la suite de tes dons et éteindre le Saint-Esprit par une mauvaise attitude vis-à-vis du don. La cinquième chose, c'est que tu dois avoir de l'audace et tu dois commencer avec les faibles commencements. Tu dois avoir de l'audace et de l'audace. Alléluia. Si vous voulez marcher dans le surnaturel, des dons spirituels, je parle des dons spirituels, ces points-là sont indispensables. Amen. Et après ce cinquième point, les trois autres points qui arrivent sont des points qui, en les honorant, vous font basculer du volet, vous font quitter le côté don pour entrer maintenant dans le côté ministère. Vous avez, premièrement, donc le point numéro 6, rechercher abondamment tous les dons, mais en particulier celui de la prophétie. Celui de la prophétie vraiment est très important. Il y a deux ministères comme ça. L'apostolat et la prophétique sont des fondements et des colonnes dans l'Église. Alléluia. Et le ministère prophétique, vous savez, tu peux avoir un don de guérison, mais sans la prophétie, tu peux ne pas savoir comment prier exactement. Le don de prophétie peut te révéler exactement comment prier. Par le don de prophétie, celui qui est un prophète nabique, le nabi a des paroles d'autorité puissantes. Tu vois? Donc quand la prophétie précède le don de guérison, c'est extraordinaire. Amen. La septième attitude, le septième point de sagesse, c'est soit un fils pour ton père. Autrement dit, l'attitude que tu as vis-à-vis de ton père spirituel déterminera si tu opéreras dans le prophétique ou pas. Déterminera si ton don prophétie va passer niveau ministère ou va rester niveau simple. Ok? Amen. Et la huitième des choses, il faut honorer le prophétique. Ok? Il faut honorer le prophétique. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors, le premier point rapidement, être un homme spirituel. Dis avec moi, je suis un homme spirituel. Alors, nous lisons dans différentes versions. D'abord dans la version Louis II, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il est dit, dans la version Louis II, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Amen. La Bible dit qu'un homme qui est animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Parce que c'est trop compliqué. Il ne trouve pas la logique. C'est une folie pour lui. Dans la version seconde 21, il est dit, toujours donc 1 Corinthiens 2, 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Amen. Et l'homme dirigé par l'esprit, il discerne tout. Dans la version du semeur, il est dit, mais l'homme livré à lui-même, alléluia, ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Bref, amen. Alors, il est question ici de l'homme naturel ou l'homme animal. Ça, c'est l'homme naturel. On est en train de parler de marcher dans le surnaturel. Ok, qui est l'homme naturel? L'homme naturel, c'est quelqu'un dont tout le système de pensée est basé sur les découvertes, la sagesse terrestre. Il y a des chrétiens qui ne sont que nature. Tout ce qui est du domaine de l'esprit, ils le refusent systématiquement. Ces personnes-là, sans se rendre compte, méprisent les dons spirituels. Et parce qu'ils les méprisent, ils éteignent l'esprit dans leur vie. Leur vie sera naturelle. Ils seront malades naturellement. Ils seront soumis au même système
que sont les païens. Ils marchent avec un grand Dieu, mais ils ne vont profiter de rien. La Bible dit, toutes les choses surnaturelles sont folie pour eux. Ils ne peuvent pas les comprendre. Si tu veux recevoir les dons spirituels, il faut que tu acceptes le spirituel, que le spirituel est une vérité. Le spirituel est vrai. Il y a le mauvais spirituel qui est dirigé par Satan et ses démons, qui fonctionne au niveau du deuxième ciel, lorsqu'on parle des troisième cieux, qui fonctionne au niveau du deuxième ciel, et il y a le spirituel divin qu'on rencontre au niveau du troisième, à partir du troisième ciel. Amen. Et ces deux spirituels-là, le troisième, le deuxième, essayent d'interférer et d'agir sur le ciel des humains, sur notre ciel à nous. Et dans le monde spirituel, on a donc une bataille entre les anges du troisième ciel, la puissance du troisième ciel, contre ceux qui viennent du second sur la terre. Mais Dieu est vivant, tu prends la victoire. Alléluia, alléluia. Alors, comment ne pas être un homme naturel? Comment ne pas être un homme animal? La première des choses que tu dois faire, c'est bien sûr te convertir. Parce que je t'ai expliqué tout à l'heure que c'est le Saint-Esprit qui te fait marcher dans le surnaturel. Ce n'est pas la sagesse, l'intelligence, c'est surnaturel. Pour que tu rentres dans le surnaturel, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Jésus était naturel de 0 à 30 ans. Mais quand le Saint-Esprit est venu dans sa vie, or la Bible dit en Romains chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, le premier sceau que Dieu met sur toi, c'est de donner le Saint-Esprit. C'est l'introduction au monde spirituel. Alléluia. Recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a quitté un homme. Il a basculé du naturel au surnaturel à l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, il existe des chrétiens qui, malgré qu'ils aient accepté Jésus, demeurent animal et naturel. Ils refusent le surnaturel. En fait, tout ce qui n'a pas la cohérence humaine, tout ce qui n'a pas été découvert par la science, ils croient plus dans la médecine qu'ils ne croient au surnaturel. Écoutez, mes amis, le miraculeux existe. Le surnaturel existe. Il y a des sagesses qui ne sont pas de ce monde. La Bible dit, la foi, c'est que tout ce qui est réel et matériel a été créé à partir de choses invisibles. Écoute, même dans le naturel, il y a une petite portion de surnaturel qui intervient. Tu sais? Alors imagine-toi à l'époque de nos parents, dans le passé. Regarde aujourd'hui, par les moyens d'Internet, je suis en Côte d'Ivoire et tu me vois aux États-Unis. Imagine-toi à l'époque, comment nos parents auraient pu imaginer qu'une personne qui peut être en Afrique soit en même temps, dans la même période, vue et entendue à plus de 6000, 7000, 8000 kilomètres. Quelqu'un peut être sur la lune et communiquer avec des gens sur la terre sans se déplacer. On t'aurait dit, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Mais la science naturelle a découvert de nouvelles lois. Et chaque fois qu'elle découvre de nouvelles choses, elle progresse dans sa connaissance. Et aujourd'hui, même là où je vous parle, à l'heure où je vous parle, là où vous êtes dans votre salle, chez vous à la maison, il y a des choses invisibles qui sont là. Mais aujourd'hui, on les appelle naturelles. Il y a des ondes téléphoniques qui sont en train de passer. Il y a des ondes télévisuelles de la télévision qui sont là. Si vous mettez un poste téléviseur, vous captez un récepteur, vous placez un récepteur, pap, vous allez capter, vous allez prendre des images, vous allez voir des images apparaître sur votre écran. Mais où étaient les images? Elles étaient dans l'environnement. Mais elles n'étaient pas touchables, perceptibles par votre être naturel. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des scientifiques qui ont commencé à comprendre qu'il y avait des phénomènes, des ondes qui étaient invisibles à l'œil humain, qu'ils ont commencé à chercher et à se connecter avec ces ondes. Et ils ont vu que par ces ondes-là, on peut faire de la télé, on peut faire de la radio, on a vu des ondes qu'on appelle Bluetooth, on a créé des ondes qu'on appelle le Wi-Fi, et on a vu toutes ces choses-là. Mais c'est de la découverte. Tu penses que ces connexions Wi-Fi, Bluetooth, radio n'existaient pas avant? Et tu crois que ce sont les seules qui existent? Tu ne penses pas qu'il y a encore d'autres choses qui sont là, par lesquelles, par une simple déclaration, on peut commander à un organe de reprendre vie? Par une simple... Les dons spirituels sont votre connexion avec ce monde du surnaturel qui est supérieur aux ondes de Wi-Fi qui transportent juste des images. On peut transporter un organe manquant du ciel sur la terre. Alors, quand Dieu t'a donné un don de miracle et que toi-même, tu es comme...
tu es trop naturel et que tu rejettes, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ça ne va pas se manifester. Ça ne va pas se manifester. Mais si tu es ouvert à cette éventualité, à cette possibilité que Dieu peut tout, parce qu'il a tout créé par sa parole et que c'est encore possible, alors tu vas commencer à t'ouvrir au surnaturel. Reçois les dons surnaturels dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle beaucoup ne basculent pas. Ils n'arrivent pas à parler en langue parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Leur esprit ne peut pas saisir qu'une personne en train de prier en... qui parle dans sa langue peut commencer à parler une langue qu'il ne comprend pas. Non, c'est un don. De manière surnaturelle, tu vas avoir la sagesse. Saisis cela au nom de Jésus. Commence par la conversion et sois ouvert au Saint-Esprit. Mais lorsque tu vas être ouvert au Saint-Esprit, fais attention. Il y a différents esprits. Il y a des démons, il y a des esprits impurs et il y a l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit pendant qu'il priait dans le livre de Luc chapitre 3. Les disciples sont restés là et ils ont invoqué. C'est pourquoi le Père dit ceci, « Si quelqu'un me demande le Saint-Esprit, je vais le lui donner. Tu dois chercher, Saint-Esprit, remplis-moi. » Il faut dire Saint-Esprit, hein. Tu appelles le Saint-Esprit pour qu'il te remplisse, pour qu'il te remplisse. C'est lui qui, en venant, vient avec les dons et les dons et les dons et les dons. C'est lui qui va t'investir. Il y a le moment où il te remplit et il y a le moment où il passe au niveau du revêtement. Je déclare dans le nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit et sois revêtu du Saint-Esprit. Tu as besoin d'entrer dans cette dimension afin que les captifs soient délivrés. Tu pourras dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour décanter les problèmes économiques et sociaux de manière surnaturelle. Oui, face à la crise mondiale où tout le système naturel a été mis en branle-bas, je suis convaincu qu'il y a des gens qui me suivent, à qui Dieu a donné un don surnaturel pour trouver le remède à ce coronavirus que j'appelle vide zéro. Il y a des gens que Dieu a oint pour trouver des solutions aux défis économiques, des gens que Dieu a oint, mais qui ont sous-estimé ce don surnaturel qui est nécessaire pour sauver l'humanité. Sans le don surnaturel, le monde serait mort de famine. Mais Joseph, par un don surnaturel, a résolu ce problème. Que Dieu nous aide. Il y a les dons de sagesse, il y a le don de gouverner. Alléluia. Donc tu dois rechercher ardemment le Saint-Esprit. La troisième chose, amen. Alléluia. Rechercher l'amour. Tu dois rechercher l'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, ce que je te disais, il est dit, 14:1, il est dit, rechercher l'amour, virgule, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie, ok? Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel. Le mot qui est utilisé pour le terme aspirer au don spirituel, c'est le mot zélo. Alléluia, c'est le mot zélo. Je m'en arrivais tout à l'heure. Mais avant de dire, sois zélé pour les dons spirituels, aspire au don spirituel, Dieu te dit d'abord, recherche l'amour. Alors, les dons spirituels et les ministères spirituels sont des connexions spécialisées où Dieu t'envoie directement depuis le ciel la solution. Elle peut être en toi par le Saint-Esprit, mais si la solution n'est pas en toi, par le Saint-Esprit qui est en toi, le ciel est ouvert et en même temps il t'explique le mystère, il t'explique comment guérir cette maladie, il te parle. Quelqu'un qui a le don de prophétie, ça veut dire qu'il a une connexion spécialisée entre le ciel. Quand vous n'avez pas le don de prophétie, vous n'avez pas de connexion spécialisée. Vous avez une connexion qui est la connexion usuelle de tout chrétien. Quand tu dis mon Père qui est dans les cieux, il y a comme un filon, une connexion, comme si tu appelais Dieu au téléphone. Mais par cette même connexion, Dieu envoie la guérison. Tout chrétien a reçu le don de guérison. Jésus a dit, en mon nom vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est une promesse pour tous les chrétiens. Mais quand vous n'avez pas le don de guérison, quand vous imposez les mains malades, le fait que vous avez une seule connexion, elle peut être très vite saturée par rapport à toutes vos demandes qui sont en train d'arriver depuis le ciel. Amen. Quand nous prions, dit notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, on cherche à créer une connexion entre le ciel et la terre pour permettre au ciel d'envoyer le règne, d'envoyer la volonté, d'envoyer les grâces, d'envoyer les dons, d'envoyer les faveurs. Et quand tu pries, cette connexion-là est là. Quand tu pries pour un malade, reçois la guérison, reçois la guérison, Dieu l'envoie. Mais ta connexion, ce n'est même pas 5G, ce n'est même pas 4G, c'est 2G, 1G. Ça arrive doucement, doucement. Ça fait 10 ans que tu pries, tu n'es pas encore guéri. Téléchargement trop lent. Alors pour éviter tout ça, quand tu pries pour avoir un don spirituel, Dieu crée une connexion spécialisée. Si c'est le don de prophétie, la connexion laisse passer la prophétie. Si tu complètes avec la guérison,
chaque fois que tu verras demain malade, tu auras plus vite la guérison que quelqu'un qui n'a pas le don de guérison. S'il n'a que le don de prophétie, quand il va prier pour les malades avec son seul don de prophétie, il n'aura pas autant vite les résultats. Amen. Mais en tant que sa connexion de prophète, s'il cherche à comprendre ce que Dieu veut faire dans les temps qui arrivent, Dieu va vite lui expliquer. Mais toi qui n'as seulement que le don de guérison et de miracle, il ne pourra pas t'expliquer parce que la connexion qu'elle a n'est pas destinée au prophétique, mais elle est destinée au miracle. Alléluia. Aspirez, 1 Corinthiens 12, 31, va dire aspirez au don spirituel. Alléluia. Et je vais encore vous montrer un don par excellence. Là, je suis en train de parler de quoi? J'ai parlé un peu des dons, mais je vais te parler vraiment de l'amour. Alors, les dons, c'est cette connexion-là. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Je parlais tout à l'heure du don de guérison. Un don est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie. Un jour, une femme a touché Jésus. Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Une force. Donc, guérir un malade, donner une prophétie, c'est une énergie. Quand tu es là et puis tu déclares, demain, le ciel va s'ouvrir. Il y a une énergie qui jaillit de toi et qui va ouvrir le ciel. Quand tu as un don prophétique nabique, c'est ce qui se produit. Ou nébique, tes paroles sont puissantes. C'est de l'énergie. Ok? Elle est tellement puissante que de la même manière qu'on déplace les courants électriques, pour déplacer du courant électrique, il faut des câbles de protection. Il faut des enveloppes de protection qui sont faites de certaines matières parce que l'électricité peut tuer. La puissance qui arrive dans les dons spirituels peut détruire. J'ai vu des hommes être détruits par la mauvaise gestion des dons. Et le câble de protection, la protection autour des dons, un des éléments de protection, c'est le sang de Jésus. Mais un autre élément de protection, c'est le don de l'amour. C'est l'amour, la charité. C'est la raison pour laquelle en 1 Corinthiens chapitre 12, on parle des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 13, on décrit l'amour. Et on dit, quand je parlerai la langue des hommes, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Quand je parlerai, on décrit l'amour. Et puis après, on retombe à 1 Corinthiens chapitre 14, où maintenant l'apôtre Paul va insister sur les dons de prophétie et sur les dons de langue. Les dons spirituels sont encadrés, sont centrés sur l'amour. L'amour est le câble. Sans amour, votre don va faire du mal. Très souvent, quand Jésus allait guérir un malade, la phrase suivante est prononcée. Vous voyez ça en Matthieu 14, 14. En Marc 1, 41, il est dit cette expression. Jésus est ému de compassion. Écoutez, si vous n'avez pas de l'amour, votre don de miracle va vous rendre orgueilleux, ça va vous perdre, vous allez tomber. Si vous n'avez pas l'amour, si vous ne prophétisez pas par amour pour l'homme, si ce n'est pas la compassion qui vous amène, frère, le don peut vous faire du mal. Alors, les deux doivent être faits en même temps. 1 Corinthiens 14 dit, cherche l'amour, cherche le don. Cherche l'amour, cherche le don. Pour passer d'un niveau d'opération à un autre, il faut que ton amour augmente. Un peu, si tu veux augmenter la dose d'onction, la dose de ton don de guérison, la dose et la puissance de ton don de miracle, augmente d'abord l'amour. Augmente le système de protection. Aime plus Dieu, aime plus les hommes. Plus tu aimes Dieu, plus tu as une grosse connexion avec le ciel. Et plus tu aimes les hommes, plus cette connexion-là arrive à transiter par toi et être une bénédiction pour les autres. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous n'avez pas l'amour, quand vous n'avez pas l'amour, les dons, comme je l'ai dit tantôt, sont dangereux. Et l'amour va vous amener à chercher à posséder abondamment de dons. Amen. Bref, nous partons au point suivant, le point numéro 4. Alléluia. Alors, il faut te dire que tu ne dois pas mépriser les dons. Le point numéro 4 et puis le numéro 5, 6, on peut les intervertir. Ce n'est pas forcément un ordre. Ça, j'en ai longuement parlé. Amen. Ne méprise pas les dons. Quand Dieu commence à te donner un don, il est très faible, il est petit. Dieu commence toujours petit. Il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas mépriser les gens que tu vois prophétiser et puis tu dis, si tu as ri du don de Dieu, que Dieu a donné à une personne, toi-même tu en es privé. La Bible dit que les pharisiens, ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Beaucoup de gens, quand les églises commençaient à parler la langue, ils riaient, c'est du charabia, c'est du charabia. Le don est parti. Et ces églises-là sont restées froides, mortes, pendant que ce sont des églises qui étaient issues d'onction, de réveil spirituel. Ils ont méprisé les dons, ils ont éteint l'esprit dans leur communauté. Faites attention. Un chrétien qui se moque, faites attention. Quand vous ne savez pas qu'est-ce qui anime une personne, même si c'est un faux prophète, faites attention. La prophétie, je n'avais pas dit de tout accepter.
pour pouvoir marcher avec un prophète, il faut regarder non pas le don, mais le fruit. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Parce que le don du Saint-Esprit, il le donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et quelqu'un qui est un menteur peut venir te donner une révélation qui est juste, comme dans le livre de Actes des Apôtres, cette femme-là a donné des prophéties justes, tandis qu'elle était animée d'un esprit de Python. Ok ? Il faut donc faire très attention. Par contre, quand les dons sont manifestés, il ne faut pas les mépriser à cause de la personne qui les porte. Il faut respecter le don. Ce n'est pas dit de croire tout, mais d'abord d'avoir de la révérence. Amen. De ne pas se mettre à rire contre les dons. Tu vois, quel don de guérison ça? Regardez, il prie. Le malade n'est même pas bien guéri. Tu n'auras plus de don de guérison. Parce qu'un don commence en balbutiant. Tu n'auras plus Dieu de prier. Mais pourquoi tu ris du don que je donne? C'est la personne qui est un peu immature. Elle est en train d'apprendre. Regardez, quand nous on prie, les vrais miracles, les gens se lèvent en une fois. Frère, avant que le malade se lève en une fois et qu'il court, comme du temps de Jésus, quelquefois, parce que l'énergie qui vient de toi est encore faible. Donc lorsque tu pries, l'énergie est faible. Mais ne regardez pas ce genre de choses pour mépriser. Et moi, j'ai éteint le don de guérison dans ma vie à cause du mépris. Je partais prier. Et quand je priais, je voyais des gens qui avaient des maux de tête, qui avaient des petites douleurs dans le ventre, en train d'être guéris. Mais les maladies, les infirmes, les paralytiques, les aveugles, la plupart n'étaient pas guéris. Et j'étais frustré. Je dis à Dieu, mais tu guéris les paralytiques, tu m'as dit de prêcher, pourquoi ils ne sont pas guéris? Et à cause de cela, j'hésitais maintenant parce que j'avais eu honte. J'avais eu honte. J'hésitais de prier pour les malades. J'arrivais, je dis, je suis un prédicateur, je prêchais la parole de Dieu. Et mon don de guérison et de miracle va commencer à diminuer. De moins en moins, j'avais des résultats en priant pour les malades. Et l'Esprit m'a donné ce message que je suis en train de te donner. Il m'a dit, mon fils, ranime le don. Et j'ai prié. J'ai demandé à Dieu pardon pour les faibles commencements. Et vous voyez, sur le verset précédent, le verset 18, il dit, rendez grâce pour toutes choses. Il m'a dit, mon fils, même quand tu vois une petite guérison, célèbre-moi. C'est la manière dont tu vas augmenter le don en toi. Si vous voulez marcher dans le surnaturel, célébrez le petit surnaturel. Quand tu commences à prier en langue, même si tu commences avec trois mots, ke, vous qui serez assis là-bas pour rire, c'est quel ke. Le parler en langue vous sera ôté. Mais si tu dis, oh merci mon Dieu pour le ke, va devenir kanda redebarla sonta kamaya, rianda baba shengi wiribosa. Et quand tu valorises ça, il te fait passer à un autre niveau. Tu valorises, il te fait passer à un autre niveau. Il fait croître ce que tu t'as donné. Rendez grâce pour toutes choses. Ne méprisez pas. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Le cinquième point de sagesse. Alléluia. Aie de l'audace. Va témoigner de Jésus et prier pour les malades. Aie de l'audace. Les dons spirituels nécessitent que vous bougiez. Ça, c'était le problème de Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Verset 7. Comment tu ranimes ça? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Alors, donc à un moment donné, Timothée a éteint le don. Le don s'est endormi parce qu'il était un peu honteux de témoigner de Jésus, de témoigner dans certaines circonstances. Amen. L'endroit faisait peur. Les gens se riaient de l'évangile. Vous voyez, prêcher la parole de Dieu, souvent dans le monde occidental, ça paraît ridicule. Parler de Dieu dans votre bureau, ça paraît ridicule. Écoutez, le diable va faire ça pour vous amener, pour vous intimider. Donner la solution de Dieu, ça paraît ridicule. Il va le faire pour vous intimider. Et comme Timothée, certains peuvent amener ce don-là. Non, à s'éteindre. Il faut de l'audace. Il faut vous lever pour témoigner. Il faut aller de lui en lui. La plupart des dons du miracle ne se manifestent pas quand vous priez à la maison. Ils se manifestent, tous les dons spirituels, quand vous partez à l'extérieur, témoin de Dieu. C'est là que vous allez voir les miracles à l'extérieur et puis ils vont vous accompagner à l'intérieur. Mais Dieu ne te donne pas le don de guérison pour guérir tes trois petits-enfants à la maison. Dieu ne donne pas le don de guérison seulement pour s'occuper de ton conjoint et de ta petite famille. Il veut que tu témoignes de Jésus à l'extérieur. Aie de l'audace, brise la honte et va parler de Jésus-Christ. Et le don va commencer à flot. Le don, c'est de l'énergie qui descend et qui doit circuler. Si tu la bloques, tu fais de la rétention, ça peut te faire du mal. Oui, j'ai vu des personnes entrer en dépression simplement parce qu'ils n'ont pas pu comprendre. Quand ça, là, tu sens la grâce de Dieu, va, loue Dieu, parle du Seigneur autour de toi. Amen. La sixième clé, recherche abondamment. Amen.
recherche tous les dons abondamment. Alors, à partir de la sixième clé, nous rentrons maintenant dans le don prophétique. C'est-à-dire, nous rentrons maintenant dans le ministère. Un des aspects du ministère, s'il vous plaît. Amen. Alors, la sixième chose, c'est rechercher abondamment les dons. Alléluia. La Bible dit, alors, en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, il dit ceci. « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Amen. Donc, vous voyez, à l'origine, les dons sont donnés selon la volonté du Saint-Esprit, selon son bon vouloir. Ok? Mais il ne faut pas s'arrêter à cela pour dire « Oh, moi j'ai reçu simplement que le parler en langue, je vais m'en contenter. » Non, l'amour dans ton cœur. Regarde, vous comprenez, quand vous avez de l'amour, quand tu aimes, et que sans les dons, c'est frustrant. Tu vas voir des gens mourir de maladie et tu ne pourras rien faire. La réponse de Dieu à ce cancer qui est en train de fatiguer ta grand-mère, de fatiguer ta femme, c'est un don de miracle et de guérison. Quand tu pries, alors il faut vite favoriser. Il faut demander à Dieu. La Bible dit de chercher. Et tu vois le mot qui est là. Alléluia. Ceux qui basculent du côté des dons pour rentrer dans le côté ministère, ce sont des personnes qui aspirent. Et le mot aspirant en français, je le trouve très léger. Car le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot zélo. Ça veut dire ayez du zèle. J'aurais pu donner cette sixième sagesse. Zélos, aie du zèle pour saisir les dons. Aie du zèle, prie avec zèle. Oh, chaque fois que tu vois des malades, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai vu tellement de malades se lever. Des foules dans des endroits où les paralytiques sont assis par dizaines. Et voilà, au son de la voix de Dieu, levez-vous et marchez. Et tout se lève et il marche. Le don des miracles, je ne l'avais pas au début. Le premier don que Dieu m'a donné, c'est le parler en langue. Un parler en langue très bizarre, mais je rends grâce à Dieu pour mon beau parler en langue. Amen. Et puis, il m'a donné la prophétie. Je recevais des révélations. Mais je voyais les gens souffrir et je voulais le don de guérison. Il m'a dit, mon fils, tu vois là, le don de guérison, c'est très bien. Mais le don de guérison n'est pas toujours miraculeux. Donc, il y a diversité de dons de guérison. Dans les dons de guérison, Dieu peut te révéler les remèdes. Donc, si tu as la prophétie combinée au don de guérison, tu peux avoir les remèdes par vision et puis tu peux les appliquer. Dans les dons de guérison, tu peux avoir les paroles qui guérissent les cœurs. Tu peux être guérisseur, guérir des cœurs, guérir les esprits, guérir les âmes, guérir le corps. Okay? Et même dans la direction, dans la guérison du corps, les dons peuvent être spécifiques pour une maladie donnée. Quand vous remarquez le ministère de Jésus, il n'a pas commencé par ressusciter les morts. C'est quand le Père lui a donné le go qu'il a, dans la suite de son ministère, il a eu un don supplémentaire qui était la résurrection des morts. Amen. Il y a même une phrase quelque part où Jésus laisse sous-entendre cela. Alléluia. Il dit que mon Père, je crois en Jean chapitre 5, il dit, mon Père me montrera de plus grandes choses pour que vous soyez étonnés. Et puis, il en continue en parlant de la résurrection des morts. Donc, la résurrection des morts dans le ministère de Jésus est un don qui s'est manifesté un peu plus tard. Mais déjà, il a considéré tout ce que le Père lui donnait. Son don de miracle a commencé par transformer de l'eau en vin. Il y en a qui auraient pu en rire, mais c'était le premier des miracles de Jésus. Ça a été célébré comme son premier miracle. Et l'esprit a commencé. Alléluia. La Bible dit que Jésus passait des nuits à prier. Il a prié jusqu'au matin en Marc. Et la Bible dit, les disciples ont cherché en Dieu. Il dit, parce que je dois aller dans ces villes. Il y avait des malades dans ces villes. Il y avait des gens qui souffraient. Jésus a prié toute la nuit. Faire, ayez du zèle. Si vous n'avez pas de zèle, vous allez voir des problèmes. Vous allez voir des difficultés. Vous n'allez passer votre temps qu'à critiquer. Parce que votre amour est grand, mais vous êtes incapable. La vraie vie chrétienne, surnaturelle, le pied droit, c'est l'amour. Le pied gauche, c'est les dons. C'est avec ça qu'on avance. Il faut l'amour, il faut les dons. Il faut l'amour, il faut les dons. Il faut l'amour. Rechercher les dons. Rechercher l'amour. Zélo les dons spirituels. Et zélo abondamment de dons. Cherche beaucoup. Alléluia. Pas pour te faire voir, mais par amour. L'amour va te protéger. L'amour va faire que tu ne seras pas détruit par les dons. L'amour va te rendre humble. L'amour va te rendre compatissant. L'amour va te protéger.
et va protéger le deuil, va protéger les autres. Amen. Septième, sois un fils pour ton père. Ah, ça c'est très important. Lorsque Élie, devait monter, il lui fallait transporter le don de prophétie, le ministère prophétique qu'il avait. Et il avait d'abord un premier serviteur, qui, c'est celui serviteur-là qui était très obéissant, qui l'a aidé à faire venir la pluie. Et quand Jézabel s'est mis à le poursuivre, ce serviteur-là a été laissé dans le village de Bethsheba. Et quand Élie va se retirer sur la montagne, Dieu ne va pas dire à Élie, va chercher ce gars que tu as laissé. Il va lui dire, va chercher un nouveau fils spirituel en la personne d'Élisée. Et Élisée va être éprouvé dans sa loyauté et dans sa fidélité à Élie. C'est sa loyauté, sa fidélité, malgré qu'il ait été appelé. C'est parce qu'il a été un fils pour Élie. La Bible dit de Élisée, il est celui qui versait de l'eau dans la main de Élie. Vous avez dans cette maison, dans cette communauté, un prophète. Je rends grâce à Dieu. La dimension prophétique, quand vous ne couvrez pas ça, c'est un adorateur. Et quand il chante par la prophétie. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes très d'une dimension puissante à cause des forces des ténèbres qui seront en place. Les démons qui sont sortis de l'enfer pour détruire la terre vont être confrontés à une catégorie des prophètes. Parlant même de cette dimension, la Bible parle de deux prophètes qui vont contester et briser les pouvoirs de l'Antéchrist pendant un temps. C'est extraordinaire ce type de prophète. Mais la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, il dit ceci. Dans les derniers temps, dans les temps de la fin, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit, c'est vos fils et vos filles qui prophétiseront. Là, il ne s'agit pas du don, il s'agit du ministère. Mais pourquoi il ne dit pas tous les croyants prophétiseront? Il dit les fils et les filles prophétiseront. Pour entrer dans cette dimension prophétique des temps de la fin, il ne faut pas simplement être un croyant. Si tu es un croyant, tu vas recevoir un don. Mais si tu es un fils pour ton père, tu vas recevoir le ministère prophétique des temps de la fin. Tu auras le Nabi, tu auras le Nébi, vous aurez des visions, des songes, mais il faut être d'abord soumis. Il faut écouter ton père, il faut être en train de marcher après lui. Et je vous assure, cet homme de Dieu, je l'ai vu lorsqu'on était en pleine campagne en Haïti, avec InHaïti. Parole d'autorité. Et le lendemain, on a vu, les sorciers, les sorcières sont tombés morts. Ceux qui paralysaient le pays. Et il faut sentir le prophétique. Il faut le sentir. Il faut sentir quand il y a quelqu'un qui... Votre père marche sous un manteau prophétique. Et la plupart des hommes sincères, sérieux, qui marchent avec Dieu, aujourd'hui, là, Dieu nous révèle tous. Parce que la Bible dit, cherchez abondamment les dons. Dans le point précédent, j'aurais dû te dire, mais surtout celui de la prophétie. Parce qu'il précède l'ensemble. Alléluia, sois un fils. Amen. Et la dernière des choses, le dernier point, qui est dans le fait d'honorer, de suivre le Père, c'est l'honneur du prophète. L'honneur au prophète. Alléluia. En Matthieu chapitre 10, verset 41, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. La manière dont tu reçois des prophètes déterminera sur leur faveur va venir dans ta vie. Amen. Luc chapitre 7, verset 31, ce texte dont je parlais, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Il y a des hommes prophétiques que Dieu envoie vers toi. Dieu t'a connecté avec cet homme de Dieu, le pasteur Grégory. Ce n'est pas un hasard. Mais est-ce que tu l'as reçu? Jean-Baptiste n'a pas baptisé les gens qui étaient en Amérique. Jean-Baptiste n'a pas baptisé les gens qui étaient en Afrique. Il prophétisait sur Israël. Et il y a des hommes qui l'ont regardé, qui n'ont pas reçu. Et la faveur prophétique n'est pas venue dans leur vie. Si tu sais recevoir un prophète en sa qualité de prophète, dans cet aspect-là, plus développé, quand on dit en qualité de prophète, ça peut parler aussi du mode opératoire du prophète. Parce que dans les niveaux d'opération, il y a les levels, comme je te dis, les niveaux de hauteur, mais il y a la forme d'opération. En l'occurrence, Jean-Baptiste, qui avait la même onction que Élie, n'a pas fait de miracle. Amen. Si tu reçois Jean-Baptiste en sa qualité de Jean-Baptiste, tu vas recevoir, tu vas commencer à opérer dans ce type d'opération. Si tu reçois Élie en sa qualité de prophète Élie, tu vas commencer à opérer dans cette dimension. Alléluia. Souvent, vous voyez des prophètes qui visitent l'église, que votre père spirituel invite, avec qui ils connectent. Quand ils sont en train de parler, si vous sentez, si le père, votre père les a validés comme onction de la maison,
n'hésitez pas à semer, n'hésitez pas à rendre grâce à Dieu, n'hésitez pas à écouter attentivement leur message. La façon dont l'Esprit opère avec eux peut venir dans votre vie. Et tout ça, ça participe à l'abondance de votre don. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'aurai pas le temps de prier réellement avec vous à cause du temps. Je vais vous inviter simplement à vous tenir debout, à lever les mains. Je vais faire une simple prière, mais je crois que ton don va être animé. Je crois que tu ne vas plus mépriser les dons. Je crois que tu ne vas plus éteindre ces dons. Tu dois marcher dans le surnaturel. Les dons ne doivent pas être simplement ponctuels. Ils doivent être niveau ministériel. Alléluia. Parce que Dieu a fait de nous un peuple de rois sacrificateurs. Nous sommes tous appelés à exercer la sacrificature. Alléluia. Et à régner. Ô Père céleste, Dieu vivant, nous t'invoquons, nous te prions que les dons de l'Esprit soient notre partage, que ceux qui ne les ont pas reçus en reçoivent. Nous avons tous reçu, mais qu'ils se lèvent, qu'ils se manifestent. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qu'ils te reçoivent comme Seigneur et Sauveur, car c'est à ce titre que tu vas les doter de dons. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont nés de nouveau. Ranime le don qui a été en eux. Révèle le don que tu as mis en eux. Manifeste-le pleinement dans le nom de Jésus. Je vous en conjure par les compassions de Christ. Commencez à être témoin de Jésus. Votre don va davantage se manifester. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors quand vous allez commencer les dons, faites attention, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Fils pour votre père. Laissez votre père spirituel vous coacher dans l'exercice du don. Un don arrive avec du balbutiement. C'est pourquoi il dit: n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Amen. Et puis il parle de, on va retenir ce qui est bon. Alléluia. Qu'on retienne ce qui est bon. Parce qu'au début, quand on commence, il y a des balbutiements, il y a des petites choses qui ne vont pas. Votre pas spirituel va vous aider à mieux orienter votre don et vous pourrez l'exercer. Que Dieu vous garde. J'ai été ravi d'être avec vous et que cette conférence soit encore waouh. Au nom de Jésus, amen.